Ce point de vue Nouvelle-Aquitaine démarre ici à Messanges avec vous, Hervé Bouyrie. Vous êtes le maire de Messanges. Vous avez aussi la casquette de président du conseil départemental du tourisme. Est-ce qu'on peut dresser déjà entre guillemets une petite carte postale du secteur, de ce secteur landais? Alors ici on est sur la côte sud des Landes, donc avec quelques stations importantes, notamment au Segor, Capbreton, Vieux-Boucaux, Moliets, et des stations un peu plus naturelles comme Messanges, comme Tarnos, comme Labelle. Et après vous passez sur un secteur beaucoup plus naturel avec Côte-Landes Nature et on finit par la zone des Grands Lacs. C'est un secteur quand même stratégique hein, pour les Landes économiquement, parce que vous accueillez combien de touristes chaque année? Alors ici sur Messanges proprement dite, on est le troisième percepteur de taxes de séjour. Parce que nous avons des grosses infrastructures d'hôtellerie de plein air, donc on accueille à peu près entre 15 et 20 000 personnes. Et si vous prenez les communes aux alentours, on est à peu près à 80 000 personnes en permanence pendant l'été. Alors avant de revenir aux grands enjeux hein, de ce secteur, on va prendre une question d'actualité. J'imagine que ce début de saison entre guillemets, a été largement perturbé par l'épisode covidique et le confinement. Et cette réouverture des plages à laquelle vous avez activement participé ici sur ce secteur a été une première étape. Oui, bon, il y avait une grande frustration de ne pas pouvoir fréquenter ce bel espace naturel qu'est l'océan et nos lacs aussi, alors que la montagne a été ouverte un peu avant. Donc c'est vrai qu'on a travaillé avec les services de l'État et la préfecture pour essayer de faire réouvrir au plus vite, qu'au moins on puisse bénéficier de cette belle nature et exercer le sport que beaucoup pratiquent, et notamment les sports aquatiques. Les Landes, quand même un secteur effectivement tourné vers le littoral, hein, notamment effectivement, pour le tourisme. C'est important pour vous d'avoir une stratégie vraiment définie sur cet axe économique? Bien sûr, hein, 80% de la fréquentation touristique est sur le littoral. Alors évidemment, l'intérieur est quelque chose de très important pour nous parce que c'est la diversité des cultures, la diversité aussi des loisirs, mais le littoral évidemment est un enjeu majeur pour l'activité touristique landaise et les conséquences économiques. Alors justement, on parlait d'une entité majeure, des conséquences économiques. Aujourd'hui, comment on essaye de se projeter, je viens de dire, on essaye de se projeter pour le tourisme avec ce que l'on vit actuellement et toutes ces hypothèses autour des réouvertures de la restauration, des campings, les plages qui l'ont été, mais il n'y a pas que ça. Hein. Non, actuellement du tourisme il n'y en a pas parce qu'avec une zone de chalandise de 100 km, on ne touche que les autochtones hein, et la population locale, ce qui est déjà une belle chose, hein. Mais on n'a pas d'activité touristique ou quasiment pas. Même chez les hébergeurs qui ont la capacité actuellement de pouvoir accueillir. Donc on attend, dans un premier temps, le plus important à mon avis, c'est l'ouverture à la métropole ou à minima au département vert. Et derrière, il pourrait y avoir une activité économique. Deuxième enjeu, évidemment, c'est l'ouverture des prestataires de services, que sont les restaurants, les bars et tout ce qui apporte de l'animation et du service qui sont essentiels, évidemment, si on veut accueillir des populations. Est-ce que ça peut se quantifier aujourd'hui, ce qu'on estime comme perte peut-être depuis le début de la saison, ou c'est compliqué aujourd'hui à l'heure actuelle de se projeter déjà le... Ah si oui, actuellement on doit être, nous, à près de 200 millions de pertes, puisqu'on fait à peu près 1 milliard d'euros de PIB ou de chiffre d'affaires lié au tourisme, donc on doit être à 200 000 euros de pertes actuellement, en ayant perdu l'avant-saison. Donc un cinquième déjà des ressources. Oui. Vous avez des remontées, vous, déjà en tant que maire et puis avec votre casquette au tourisme, de l'inquiétude des professionnels de ce secteur? Alors, je ne sais pas si c'est propre aux Landais, mais on a tendance à rester optimiste et combatif. Donc, je n'ai pas vu de grosses déprimes ou de grosses inquiétudes. On a plus affaire à des gens qui ont envie que ça commence, qui ont envie de se battre et qui ont envie un peu de redresser leur situation en priorité. Et surtout d'accueillir des gens, parce que c'est quand même l'enjeu de tous. On le voit d'ailleurs derrière nous, hein, malgré tout, là ici on est sur la plage centrale de Messanges, il y a un restaurant, un bar, derrière une école de surf, et déjà on les sent sur les starting blocks, hein, prêts à ouvrir les portes. Hein. Tout à fait. Bon, les écoles de surf ont pu redémarrer, bon, timidement, parce que je vous dis, il n'y a pas la clientèle pour les faire tourner à plein régime. Les écoles de sauvetage côtier aussi ont redémarré. Et on attend maintenant que les autres prestataires soient présents, et notamment cet excellent café-restaurant qui est sur notre site. Comment ça passe le quotidien ici à Messanges quand on n'a pas de tourisme et que l'activité est au ralenti? C'est une gestion différente pour les villes que vous êtes? Oui, bien sûr. Bon, déjà, il faut gérer la crise Covid en tant que telle et toutes les adaptations qui en ont découlé. Bon, ça a été pour l'école, ça a été pour l'ouverture des plages, c'est pour les centres de loisirs, c'est pour toutes les activités en général qui génèrent des rencontres de population. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Et après, malgré tout, on prépare l'avenir, on construit les budgets en tenant compte des aléas de cette crise. Donc il faut s'adapter. Donc on manque pas de travail, je dois dire. Plus les relations avec les services de l'État pour essayer que la reprise soit arrivée le plus vite possible et dans les meilleures conditions. Il y a du boulot. On va y revenir dans un instant, avec Renaud Lagrave, dans la deuxième partie de cette émission. Mais effectivement, quand on pense littoral, on pense recul du trait de côte, érosion, peut-être être moins touché ici à Messanges que sur d'autres façades landaises ou pas. Comment on envisage l'avenir avec ces aléas climatiques et l'érosion naturelle du milieu? Alors l'érosion, on y est contraint depuis de longues années. On est, nous, un secteur naturel, donc il est plus facile de corriger les aléas de l'érosion annuellement. C'est ce qui est arrivé cette année d'ailleurs. On a la partie nord de cette plage qui a été bien érodée, donc il a fallu reprofiler les accès secours notamment pour pouvoir être opérationnel dès l'ouverture des plages. Mais bon, c'est 14 000 euros d'investissement annuel à peu près, ou 15 000 euros on va dire, c'est pas non plus excessif. Donc nous, on... Vous avez un regard particulier, vous, en tant que sur un espace naturel par rapport à d'autres communes landaises qui sont plus urbanisées sur le littoral et donc peut-être plus sujettes à l'avenir, à une réflexion de relocalisation des activités, de l'économie touristique littorale. Alors nous, on a toujours refusé l'urbanisation sur notre littoral. Donc c'est une station dont les habitations sont à près de 2 km. Donc ici, vous avez un accès purement naturel. Et derrière, la force que l'on a aussi, c'est qu'on a toujours accepté la nature et ses aléas. Et chaque année, on retravaille la dune, le secteur dunaire, quand il est érodé. On investit avec l'ONF systématiquement. Donc c'est quelque chose dont on a l'habitude qui ne nous fait pas peur, quoi, pour vous se résumer. Vous l'avez dit, le Landais est d'un naturel optimiste. Le Landais est combatif et optimiste. Merci beaucoup, Hervé Bouyrie. Merci. On le disait avec Hervé Bouyrie, on a parlé d'un secteur stratégique économique ici sur le littoral. On est avec Warren ici au Snack Bonjour. Club de la Plage. Snack de la Plage, tout simple. C'est un endroit très connu ici, puisque c'est quasiment le seul, ici. On est donc forcément, pour vous, le début de saison est quand même très aléatoire et cette année est très particulière. Alors effectivement, bonjour, pardon, il est plus que particulier d'abord parce qu'il est en retard. On a déjà un bon mois et demi, presque 2 mois de retard, nous. Avec autant d'incertitudes que... Et surtout, voilà, comme on en parlait précédemment, eh ben, on va réouvrir sur, probablement la semaine prochaine selon ce qu'on entend un petit peu partout, mais avec un petit côté stressant en plus que les autres années puisqu'on ne sait pas dans quelles conditions est-ce qu'ils vont nous demander exactement de mettre en place, surtout en termes de distanciation sociale, puisque forcément une terrasse où tu peux asseoir 85 personnes, si tu dois couper en deux, c'est pas le même, c'est pas les mêmes journées. Alors c'est quand même un enjeu économique important pour vous, parce qu'une activité entre guillemets complètement liée au tourisme et à l'accès à la plage, déjà la plage fermée, ensuite tourisme bien néant pour l'instant, kilomètres complètement éteinte, et donc forcément vous déjà votre saison est vraiment entamée avec forcément derrière un enjeu économique, des emplois, des embauches qui ne se font pas, c'est beaucoup d'interrogations. C'est énormément d'interrogations. On sait d'ores et déjà qu'on est sur une année exceptionnelle, donc une saison qui va l'être malheureusement aussi. On espère avoir la chance de pouvoir retravailler normalement, je dirais, avec l'afflux de la clientèle étrangère, peut-être au mois de juillet, et la barrière des 100 km qui va sauter. Mais effectivement, là, tout ce qui est en termes d'embauche, on y va vraiment à petits pas parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Nous, on a besoin d'un nombre de personnes au boulot en saison classique, mais si c'est une saison qui va être coupée en deux par les barrières qu'on va un peu nous imposer, entre guillemets, forcément les embauches vont malheureusement en pâtir. Après, on espère un retour à la normale. Personnellement, début juillet, j'espère que les vraies vacances vont démarrer avec toute l'Europe et toute la France. Et voilà, il n'y a qu'à espérer. C'est un peu paradoxal de se dire ça, quand on est installé ici, en plein milieu naturel. Ah, c'est quand même spécial. On a tout ça pour nous, on voit passer personne, que d'habitude on ne sait pas trop où mettre les gens. Et là, effectivement, ça fait quand même spécial. C'est très spécial d'avoir tout ça pour nous tout seul. Donc on a hâte de recevoir un peu tout le monde, de venir profiter de la plage et du restaurant, évidemment. Merci beaucoup. Arrête. Je vous en prie. On va rejoindre tout de suite Renaud Lagrave pour parler des enjeux stratégiques liés au littoral sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Landais, bien évidemment, avec Renaud Lagrave. Vous êtes président du GIP Littoral. Est-ce qu'on peut en quelques mots résumer ce qu'est le GIP Littoral et ses grandes fonctions? En fait, c'est un groupement d'intérêt public qui réunit l'État, la région, les 4 départements maintenant de Nouvelle-Aquitaine et toutes les agglomérations qui sont, et communautés de communes d'ailleurs, qui sont sur le littoral néo-aquitain. C'est un GIP qui avait été créé en 2008. Et l'idée de départ, c'était de se dire, bon, il faut qu'on prenne un peu notre destin en main par rapport à la fois à la préservation et puis au développement du littoral, face à tous les enjeux. Et depuis maintenant plusieurs années, on travaille tous ensemble à accomplir une stratégie qu'on a adoptée collectivement il y a maintenant quelques années. Puis là, on vient juste de le renouveler à l'échelle, pour le coup, de la Nouvelle-Aquitaine avec nos amis de Charente-Maritime. Globalement, effectivement, avec la Nouvelle-Aquitaine, on part de La Rochelle, Oléron, jusqu'à la frontière. Absolument. Avec des terrains complètement différents. Déjà avant cet épisode pandémique qui a bloqué complètement le littoral pendant un certain temps et qu'on voit aujourd'hui réouvert, il y a les grands enjeux des aléas climatiques, du retrait du trait de côte, des érosions qui engendre bien évidemment une réflexion sur aussi la relocalisation des activités et l'économie liée au littoral. C'est vrai qu'il y a les enjeux effectivement liés plutôt à la question de sécurité, au changement climatique et à l'évolution du trait de côte, couplé au fait qu'on est un territoire extrêmement attractif. Y a beaucoup de gens qui viennent s'installer sur le littoral, donc tout ça mêlé fait qu'aujourd'hui on a effectivement travaillé sur des stratégies, et des stratégies notamment de lutte contre l'érosion, d'anticipation. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille sur ces questions et qui ont abouti à non seulement une stratégie régionale mais aussi des stratégies locales. Et quand il y a des tempêtes, comme c'était le cas en 2014, comme tous les ans, il y a des reculs du trait de côte. L'Observatoire de la côte aquitaine vient de rendre un certain nombre de chiffres là, ces derniers jours. On a encore été attaqué cet hiver, parce que ça a été un hiver assez rigoureux pour le littoral, qui fait qu'on est obligé d'anticiper et d'avoir ces stratégies locales. Aujourd'hui, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, on est sur une petite dizaine de stratégies qui portent leurs fruits. Parce que vous n'avez pas entendu de catastrophe cette année, parce qu'il y a eu véritablement un travail collectif qui a été fait par les élus locaux, par les services de l'État, par toutes les collectivités locales, pour que justement on anticipe sur ces phénomènes d'érosion, qui sont des phénomènes naturels, sur lesquels on peut prévoir un certain nombre de choses. Vous avez dit, il y a des stratégies, on n'en a peut-être pas forcément parlé, mais est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets? Concrètement, c'est par exemple pas très loin d'ici, sur la Benque à Breton, où il y a une stratégie qui a été portée pour non seulement entretenir le trait de côte, ce qu'on a ici sur les images, c'est fait notamment par l'ONF. Il faut faire en sorte qu'il y ait un véritable entretien de la dune. Il faut qu'on puisse à un moment donné travailler sur certains endroits des épis, pourquoi pas des digues, parce qu'il faut protéger. Et d'autres endroits, on va laisser faire complètement parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Et enfin, le dernier point, qui est finalement le point le plus compliqué, c'est la relocalisation d'activités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'on ne pourra pas lutter dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut prendre des décisions pour relocaliser ces activités qui sont déjà menacées par l'érosion et qui, a fortiori avec ce qui se passe en ce moment et ce qui se passe régulièrement sur les questions d'érosion, bah, il faut anticiper par la relocalisation d'activités. Il y a des exemples concrets, que ce soit dans les Landes, en Gironde, on pense au signal à Soulac, tout à fait. On pense à la Canon aussi, qui, sur lesquels s'est posé les bonnes questions de relocalisation d'activités et l'économie. Les constructions aussi, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce littoral et les constructions? Alors nous, on a anticipé, on a travaillé activement dans le cadre de la stratégie justement à faire en sorte que sur un certain nombre de territoires où il y a des menaces, on a fait des propositions concrètes. Aujourd'hui, on trouve les limites. Parce que malgré tout le travail qu'on a pu rendre ici sur ce territoire, il nous manque des limites législatives, il nous manque des limites par rapport à l'indemnisation et il nous manque les limites évidemment réglementaires. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez déplacer un bien, c'est le cas par exemple ce qu'on a essayé de faire à Labenne, bah, on nous dit ah non, loi littorale, vous n'avez pas le droit de le déplacer. On sait qu'il va tomber dans les 10, 20, 30 prochaines années. On essaye de le relocaliser, on nous dit ah non, alors que finalement on efface un bien. On en reconstruit un, donc c'est à somme nulle, mais on nous dit que ce n'est pas possible. C'est surtout dans un intérêt aussi de protection littorale, puisqu'on élimine, un poids mort. Mais c'est exactement ça. Quand vous voyez l'épisode qui n'est absolument pas terminé du signal, quand on vous dit que ça reste en fait une verrue, pendant 10, 20, peut-être encore je ne sais pas combien d'années, mais la réalité c'est qu'il faut éviter justement qu'on ait un autre signal ailleurs. Aujourd'hui, par anticipation, quand on regarde justement les aléas du trait de côte à 50 ans, 60 ans, on sait qu'on va avoir à peu près pas loin de 5000 habitations et lieux qui sont menacés par l'érosion. Ça veut dire que si vous ne travaillez pas aujourd'hui à prendre des décisions, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça que on attend, nous, activement, et on essaye de se démener, je dirais, depuis des années, pour qu'il y ait véritablement des ajouts, soit dans la loi littorale, soit une nouvelle loi qui nous permette concrètement de travailler sur la relocalisation. C'est pas, si vous voulez, avec uniquement en disant il faut revoir ceci, il faut revoir cela, ou on verra, on signalera qu'il y a des problèmes. Non, maintenant il faut être dans le concret. On a des bâtiments menacés. Si demain il devait y avoir un nouveau phénomène comme on a eu en 2014 avec des retraits du trait de côte qui avoisinaient les 30-40 mètres par certains endroits, notamment en Gironde ou dans les Landes, on ne pourra pas venir nous voir en nous disant mais qu'est-ce que vous avez fait? On a agi sur le terrain. Maintenant il nous manque véritablement un signal fort avec une loi au niveau national. La loi littorale, elle a porté ses fruits. Elle porte la protection. Elle date de 86. On est en 2020. Est-ce que les risques par rapport au changement climatique, est-ce que les risques liés à l'érosion avaient été inclus à cette époque-là? Je pense pas. Je dis juste qu'à ce moment-là, il faut juste qu'on se mette autour d'une table, calmement, pas en se disant « Ah ben on va profiter justement d'ouvrir la loi littorale pour faire n'importe quoi ». Il est hors de question qu'on touche à ce qui se fait en matière de protection. Mais il faut la renouveler. Il est évident que le but n'est pas de dépeupler le littoral, puisque vous l'avez dit, c'est de plus en plus attractif, mais c'est de le maintenir en état, sur le point de vue naturel, environnemental et de l'espace, mais en réfléchissant à ce que l'anthropisation du milieu soit la plus réfléchie possible. C'est clair qu'aujourd'hui, on a une attractivité du territoire de la Nouvelle-Aquitaine grâce à nos espaces. Si on bétonnait, ce qui n'est absolument pas la volonté, c'est la volonté de personne aujourd'hui. Mais je vois bien qu'à chaque fois qu'on ouvre le débat sur la littorale, il y a d'autres territoires en France qui en profitent pour essayer d'avancer les choses. Ce n'est pas notre cas. Nous, on demande juste à adapter justement à la question du changement climatique, aux questions sur lesquelles nous, on a travaillé localement, y compris d'ailleurs avec les services de l'État qui nous disent « Ah oui, vous avez raison, mais il nous manque encore des éléments législatifs ». Ça veut dire... Justement pour que l'État puisse sortir finalement cette nouvelle loi littorale ajustée à la date d'aujourd'hui. Concrètement, d'abord, il nous manque un peu de courage politique. Parce que moi, je vois fleurir les rapports parlementaires, les propositions de loi, tout. Je vois tout fleurir. Sauf qu'à la fin, on se retrouve dans la même situation où, si je prends le cas de Labenne, Lacanau et même... sur certains territoires de Charente-Maritime, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre des décisions parce que même si on venait à protéger, il faut que dans 30 ans, 40 ans, on puisse véritablement travailler sur cette relocalisation. Donc on peut protéger en attendant d'eux. Mais ça veut dire que concrètement, il nous manque des outils qui nous permettent d'effacer un bien, de le rendre à un autre propriétaire, qui peut être par exemple le Conservatoire du littoral, et puis d'en recréer un autre. On ne va pas relocaliser les activités littorales à Reims, qui est pour l'instant pas touchée par l'érosion. C'est évident, mais il faut qu'on ait aujourd'hui devant nous une réflexion globale, ce que nous avons fait en Nouvelle-Aquitaine. Alors peut-être qu'on a trop d'avance, j'en sais rien, mais nous on est véritablement aujourd'hui dans l'attente de ces outils législatifs qui nous permettent de travailler. On a même proposé aujourd'hui à ce qu'on soit finalement un territoire d'expérimentation. On sait aujourd'hui comment on pourrait faire concrètement, non seulement par rapport à la valeur du bien, par rapport à l'effacement du bien, par rapport à la relocalisation. Il y a des méthodes qu'on a aujourd'hui abordées et qui sont validées par l'ensemble des partenaires sur le territoire. Donc vous êtes prêts à agir, à rentrer dans l'action, reste plus que le texte législatif. C'est exactement ça. Alors ce qui ne nous empêche pas d'ailleurs, sans le texte, on travaille et on continue à travailler, notamment dans les stratégies locales, parce que c'est extrêmement important, face à ce qui est en train de se passer concrètement sur les phénomènes d'érosion, qu'on puisse travailler sur ces stratégies locales, et grâce notamment à tous les financements qu'on a pu obtenir pour les territoires, et chaque stratégie locale vit sa vie et fait en sorte justement qu'on puisse faire évoluer cette question et les mentalités autour de cette question de l'érosion. Merci à vous.